Il est 7h du matin au Mont-Saint-Michel. Pas un touriste à l'horizon. Pourtant, Yann Galton, 70 ans, est déjà sur le pont. Je fais de la gymnastique le matin. L'adjoint au maire vient d'être appelé en urgence. Toujours speed. Il y a toujours des problèmes ici. Et ce matin, le problème est de taille. Une odeur nauséabonde vient d'envahir la rue. Ça serait là, à peu près ? Là, c'est le raccordement, donc pour moi, on se bloque ici. D'accord. Chez un commerçant, la canalisation des toilettes a cassé. Et il faut trouver d'où vient la fuite. Oui, aujourd'hui, on retire les pavés et on creuse. Pour des toilettes ? Oui, pour des toilettes. Oui. On va retrouver le tuyau cassé. Ce qui stresse Yann Galton, c'est comment faire passer les touristes avec ces travaux. Les premiers vont arriver dans 3 heures. On va essayer de dévier par là ou laisser un petit passage là. En pleine saison, les touristes peuvent être jusqu'à 20 000 chaque jour à emprunter cette petite rue, la seule qui mène à l'abbaye. Autant dire qu'on n'interrompt pas le trafic. Pour moi, c'est un objectif primordial que ce soit toujours ouvert. Voilà. Voilà, c'est comme ça. On se débrouille, on gère, et il faut que ce soit toujours ouvert. Mais dans ces rues étroites du Moyen-Âge, cela va prendre un peu de temps. L'adjoint commence à s'inquiéter. T'es dans la merde, hein, mon beau-père. Allez, Gaël, essaye de me rappeler vite fait, s'il te plaît, d'urgence, parce que je suis vraiment dans la merde. Après 3 heures de travaux, impossible de trouver cette maudite fuite. Et le premier groupe de touristes arrive déjà, des Japonais. Mais pas question pour autant de se montrer stressé. Il faut faire bonne figure. On lui dit bonjour en japonais. Konnichiwa. Konnichiwa. Ah oui, c'est ça. Les touristes sont obligés de se faufiler pour continuer leur parcours. Pardon, je laisse passer. Un coup dur en pleine saison pour l'image du Mont-Saint-Michel, un des sites les plus visités au monde. Rocher d'1 km², le Mont-Saint-Michel est un trait d'union entre la Bretagne et la Normandie. Un site exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Connu et reconnu pour son joyau, l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Déjà, dès le XIVe siècle, on y venait en pèlerinage comme à Rome ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, le Mont-Saint-Michel attire chaque année 3 millions de touristes du monde entier. Après Paris, c'est le deuxième site le plus visité de France. Depuis une semaine, la famille Auburn marche à travers champs, accompagnée de Taquin, un âne du Poitou. Oups, il a sauté là. Près de 20 km par jour, mais ce matin, David, Anne et leurs 3 enfants touchent leur but presque du doigt. Regardez comme le paysage met en valeur le Mont-Saint-Michel. Regardez les enfants, il est là. Voilà le Mont-Saint-Michel. Vous le voyez bien ? À portée de main, le Mont-Saint-Michel, leur terre promise. Plus on se rapproche du mont, plus il est monumental. C'est ça qui est impressionnant. Ouais, je trouve que le Saint-Michel est très beau. En louant cette âne, cette famille lyonnaise voulait revivre l'épopée des pèlerins d'antan. Voilà, là on te fait monter là. Plus que quelques kilomètres avant d'atteindre leur but. Mais ce matin, ce n'est pas Capucine 5 ans ou Joséphine 6 ans qui traîne la patte, mais Taquin qui fait sa tête de mule. Attention Minette, Taquin. Allez, on y va. Taquin, marche. Marche, Taquin, marche. On y va, viens, on y va. Taquin, on y va. Après 120 km de marche et des nuits passées à la belle étoile, la famille a hâte d'arriver, mais elle va vite déchanter. Bienvenue dans la civilisation. Après 7 jours de solitude et d'aventure, nous voilà arrivés dans un milieu urbain. Au pied du mont, l'ambiance n'est pas celle des pèlerins du Moyen-Âge, mais aux milliers de touristes équipés d'appareils photo. La famille devient carrément l'attraction. Alors ça, c'est plus du tout pour l'âne, c'est pour le touriste. Allez ! Quoi ? Poussez-vous ! Attention, un âne ! Voilà. Pour Taquin, c'est la fin du voyage. Bonjour ! Bonjour, monsieur !
Pour question sécurité, il faudra rester ici. D'accord. On connaît très bien. C'est... Absolument. Ouais. D'accord. Bah, tous les jours, vous voyez un âne ici? Bah, ici, c'est pas courant, non. C'est exceptionnel, même. Après avoir rendu service à toute la famille, Taquin finit son périple dans ce camion-remorque. Il repart avec son propriétaire. Dans l'unique et étroite rue du Mont, le pire est à venir. Difficile d'avancer, c'est l'embouteillage sur 300 mètres. Bien loin de la paix intérieure qu'ils étaient venus chercher. C'est insupportable, j'en veux plus. C'est loin de monde. Seule solution pour s'extirper de cette marée humaine, c'est de prendre de la hauteur et de gravir les 350 marches qui mènent à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Un parcours très sportif, un tiers des touristes abandonnent en chemin. Mais au sommet, attention. Une vue imprenable sur la baie du Mont-Saint-Michel. Superbe. S'ils ont fait tous ces kilomètres, c'est pour admirer le joyau du rocher, l'abbaye. Oh, magnifique. Ouais. Un monastère millénaire empreint d'histoire. C'est Saint-Aubert, c'est l'évêque d'Avranches. Donc Joséphine vient de prendre Saint-Aubert, l'évêque d'Avranches, en photo. L'évêque Saint-Aubert. Si le Mont Saint-Michel existe, c'est un peu grâce à lui. Comme le rappelle ce vitrail, en 708, cet évêque aurait reçu l'ordre de l'archange Saint-Michel de construire sur le mont un édifice à la gloire de Dieu. Au bout du troisième rappel, il finit par s'exécuter et ordonne la construction de l'abbaye. Le rocher de granit fut alors appelé Mont Saint-Michel. Une merveille de l'Occident, mais surtout une sacrée source de tracas pour Yann Galton, l'adjoint au maire. Nous le retrouvons 150 mètres plus bas. Plus tendu que jamais, comme un élève avant une interro. Ah bah j'arrive, je descends, je suis à vous. Il a rendez-vous avec un homme qui ne plaisante pas avec le patrimoine. C'est l'architecte des bâtiments de France, Monsieur Germaine. Comment allez-vous, Monsieur Germaine? Ça va bien? On va faire un petit tour dans le Mont-Saint-Michel? On va faire un petit tour dans voir ce qui va pas? Oui, hein? Bien sûr. D'accord, bah c'est parfait. Le Mont-Saint-Michel va être passé au crible. Toute transformation des bâtiments doit être validée par l'architecte. Et l'homme est du genre pointilleux. Vous n'avez pas eu de permis pour là? Pour eux? Bah pour la restauration de cet immeuble-là. Non. Des couleurs des façades, au choix des tuiles, jusqu'à l'emplacement précis des gouttières, d'accord. L'élève Galton se fait remonter les bretelles. Que le petit coude... Bon, alors par contre, là, il a tout faux. Rien n'échappe à l'architecte, qui ne veut voir que du style médiéval. Alors quand il tombe sur ce défibrillateur en plastique, il est au bord de la crise cardiaque. Ça, c'est la limite du système. Ouais. Le défibrillateur apparent, ça me paraît beaucoup. Bah, là, c'est très, très large. C'est vrai, c'est pas beau. C'est pas beau, hein. C'est pas beau, mais c'est obligatoire, c'est quand même... Si on était capable de trouver quelque chose d'un petit peu plus discret, d'un peu plus élégant et de le dégager par rapport à la lecture de l'architecture de la maison, ce serait quand même plus malin. Un détail par rapport au reste. Le vrai problème, ce sont les commerçants qui prennent certaines libertés. Dans la rue principale, les pancartes publicitaires se sont multipliées. C'est à celui qui aura la plus grosse, et ça ne convient pas du tout à Monsieur Germaine. Quand je vois cette enseigne-là, et quand je vois 1, 2, 3 sur le même endroit, 4 sur le même endroit, il y a un problème. Hein ? Que le Mont soit une aire commerçante, ça me paraît évident. Hein, puisque les gens viennent aussi chercher ça, mais ils viennent pas chercher du moche. Face à ces remontrances, l'adjoint au maire encaisse, obligé de jouer les faillots. Ouais. Vous en pensez quoi, monsieur? Ah mais je suis entièrement d'accord. Moi, j'aime bien que le Mont Saint-Michel soit clean. Soit présentable. Présentable. Bah, on cherche à le présenter. Mais... Vous êtes d'accord avec tout ce que monsieur Germain? Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Et pour Monsieur Galton, le supplice est loin d'être terminé. Quelques mètres plus loin, les commerçants se sont étalés sur les murs de l'église. Ouais, alors là, L'architecte voit rouge, la sanction est immédiate. C'est pas possible. Oh.
Hein, je pense qu'il faut qu'on les fasse décrocher rapidement. L'heure du grand ménage a sonné. Et une fois de plus, c'est l'adjoint au maire qui va s'y coller. Ce qui ne l'enchante pas vraiment. Mais là, moi je vais avoir des gros problèmes après. Hein, parce que tous les commerçants, quand ils vont me tomber dessus, je vais vous dire que ça va être costaud. Hein. C'est jamais nos plaisirs. Entendu, bon, et... mais écoutez, je repasse vous voir. D'accord. Le problème, c'est que si les commerçants ne transigent pas, ils s'exposent à des amendes. Alors pour les convaincre, l'adjoint au maire y va sur la pointe des pieds. Il tente sa chance avec Madame Framery, la vendeuse de souvenirs. Je peux voir deux petites secondes. Oui, bien sûr. Deux petites secondes. Monsieur Germaine a pris ça en photo. Oui. Parce que ça, le père Forêt, il veut pas voir ça, il veut voir ses pierres. Oui, mais là, par contre, ça, je suis d'accord avec lui. Mais sauf que ça, ce sont des articles qui sont lourds dans le sens où c'est du stuc. Et donc, si vous mettez une grille en ferraille, oui, mais on ne peut pas le brancher dessus. Ça ne peut pas être pris sur une grille en ferraille. J'aimerais quand même pas que Monsieur Germaine ait quand même des soucis et qu'il y ait un client qui reçoive une gargouille et qu'on soit obligé d'attaquer Monsieur Germaine. Ouais. C'est quand même dommage. Madame Framery joue l'ironie, car ici, l'architecte ne fait pas peur. Il y en a deux en particulier qui ne se laissent pas faire. Les restaurateurs au franc-parler légendaire. Salut Fredo. Frédéric Ridel dit Fredo et sa femme. Salut Germaine ce matin. Oh, tu étais en bonne compagnie là. Oui, il est en train de faire de la police. Mon ami préféré. Ton ami préféré. Eh bien, c'est bien. Bon, il veut voir les façades en pierre. Mmh. Et moi, j'ai ça comme mur, moi, je les mets où? Ça, je suis d'accord avec toi. Je mets les colles sur moi. C'est un monsieur qui monte la rue du Mont-Saint-Michel, qui dit « je veux pas de ceci, je veux pas de cela, je veux pas de ceci », mais il vient jamais ici, il habite pas ici. Hein. C'est pas un Montois, c'est pas un mec du Mont-Saint-Michel, ça. Fredo, personne ne viendra jamais lui donner d'ordre dans sa boutique. Je sais pas si toi tu veux voir ça. Parce que s'il pousse trop à bout, un jour ça va péter, le jour où ça va péter, la bombe elle est presque enclenchée déjà. Ça fait 3 ans ou 4 ans que je le dis, personne n'a rien fait. Hein. Ici, le commerce fait loi. Aujourd'hui, le Mont-Saint-Michel est devenu une usine à touristes où tout est fait pour vendre. C'est un peu ce que va découvrir notre petite famille de marcheurs. Après la visite de l'abbaye, passage obligé à la boutique de souvenirs réclamée par les enfants. Bonjour. Comme des millions de touristes, Anne et David vont être obligés de mettre la main au portefeuille. Oui, mais c'est la Tour Eiffel, chérie. Tu vois, un truc un peu joli qui ressemble au Mont-Saint-Michel. Là, c'est pas le Mont-Saint-Michel, c'est un pélican, mon cœur. Mais Ken se rassure, ici, elle a l'embarras du choix. Tasse à l'effigie du rocher à 8 euros, dés à coudre à 5 euros, tongs décoratives pour 4 euros, ou encore d'élégants cadres en coquillage à 14 euros. Le Mont-Saint-Michel inspire. Et ça? Oui, mais tu le remets, s'il te plaît. Allez. Et Madame Framery, la patronne, a toujours la dernière nouveauté qui peut faire plaisir. Il y a celle-ci qui est avec un marais, mais il n'y a pas la neige. Par contre, c'est avec un marais comme ça dedans. Et là, ça fait porte-crayon. Ah, pas mal. C'est assez original. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop laid, ça. Je ne pourrais pas assumer. Vous n'avez pas les boules de neige? J'aime bien le kitsch, mais modérément. Mais peu importe, il faut ramener un souvenir du Mont. Voilà, je vais prendre des cartes postales. Les enfants, eux, en profitent pour en rajouter un peu plus dans le panier. Celle-là. Ça? Ouais. Oh, c'est la panoplie Sabre Actionville. Oui. Tu la trouves belle? Il y a l'épée, il y a la hache aussi. Rien à voir avec le Mont-Saint-Michel, mais comme la plupart des parents, Anne et David finissent par céder. Au total, entre les kitscheries et les épées de chevalier, le couple s'en sort tout de même pour 57,20 €. Pour ces enfants qui ont fait cet effort, non, c'est important de marquer le coup, bien sûr. Oui. Le lendemain midi au Mont-Saint-Michel, nous retrouvons Frédéric Ridel, le restaurateur au franc-parler. Waouh, j'ai failli faire une connerie. Chez ce cuisinier de 53 ans, ça dépote. Un jambon en fond et un sauté. Deux moules frites, un sauté cas. Avec sa femme et sa fille, il prépare jusqu'à 120 couverts chaque midi. Dans une cuisine de 4 mètres carrés. On n'est pas en avance. Et pas moyen de s'agrandir. Car comme tous les autres commerces du Mont, son restaurant a été construit à même le rocher.
Bah ici, ça a été creusé carrément dans le rocher, donc on voit que le rocher est ici. L'eau écoule de partout, ça coule ici aussi. Et les gens, souvent, ils signent en passant ici. Ils croient que c'est un bénitier, on le voit, ils signent. Ils disent, c'est quoi votre bénitier, vous avez dans les... Non, c'est le rocher. Sa famille est installée sur le mont depuis 1783. 8 générations, et il n'est pas peu fier. Là, c'est mes aïeux, c'est mon arrière-arrière-grand-père, Frédéric Ridel. Ancien maire du Mont-Saint-Michel, Frédéric Ridel. Moi, je m'appelle Frédéric Ridel aussi, avec son épouse. Son patrimoine vaut de l'or, alors Fredo s'y accroche férocement et déteste ce qu'ici on appelle les hors-venus. On n'a pas de hors-venus chez nous. Ah non, c'est... Un hors-venu, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur pour acheter chez nous. On vend les affaires entre nous si on en a à vendre, sinon c'est de famille en famille. De toute façon, c'est de famille en famille ou de génération en génération. Une histoire de famille. Dans l'étroite rue du Mont, quasiment tous ses voisins sont des cousins. À deux pas de son restaurant, sa cousine Géraldine tient ce magasin de souvenirs. Ça va mon cousin ? Bah oui, c'est la fille de la sœur de mon père. Moi j'ai toujours travaillé ici, hein. J'ai jamais travaillé à l'extérieur. Un peu plus bas, Marie-Pierre, elle, s'est spécialisée dans les crêpes. C'est la fille du frère de mon père. Donc là c'est une autre cousine encore ? Ouais, encore une. Jean-Nicole. Une bonne ambiance et des familles unies, en apparence seulement. Bande de focus, planque. C'est une très grande famille, mais c'est une famille avec plusieurs clans. Ah. Ouais, bah ouais. En réalité, les familles se livrent une guerre commerciale sans pitié. Sur 300 mètres, près de 50 commerces collés les uns aux autres se disputent la manne touristique. C'est comme la série Dallas, Mont-Saint-Michel. Ah, bah ouais, c'est... Toutes les familles à gauche et à droite qui se tirent dans les pattes et qui ne disent pas ce qu'ils pensent, en fait. Le Mont-Saint-Michel, un univers impitoyable, digne du feuilleton Dallas. Comme dans la série, le rocher a son JR. L'homme de pouvoir que tout le monde jalouse, Éric Vanier, 60 ans. Berline de luxe, cheveux gominés. Bon, ben merci. Un cadre courant, hein, ok, merci. L'homme règne en maître sur le mont. Et le pire pour les natifs, c'est qu'il n'est même pas du rocher. À part des vacances scolaires passées ici, il a toujours vécu à Paris. Aujourd'hui, c'est pourtant le maire du Mont-Saint-Michel, mais c'est surtout un redoutable homme d'affaires. Depuis 30 ans, il profiterait des dissensions familiales pour acheter un par un tous les commerces de l'île. Il y en a un certain nombre, oui. C'est-à-dire ? Un certain nombre. À gauche, à droite, devant, derrière. Ah oui ? Oui. On les a... Oui, ici. Oui. Et là aussi. C'est une auberge et un hôtel au-dessus. Des hôtels, des restaurants, mais pas seulement. Bonjour, ça va bien ? Bonjour, ça va ? Ça va ? Ça vous appartient aussi ? Aussi, oui. Aussi, oui, oui. Ce sont des musées. Le Mont-Saint-Michel. Il joue les blasés. Là aussi. Mais Éric Vanier possède en réalité un véritable empire. Plus de 20 établissements, un tiers des commerces de l'île. Mais son coup de maître, c'est d'avoir mis la main sur le restaurant le plus convoité du rocher. Il se trouve un peu plus bas, à l'entrée du mont. La Mère Poulard, un restaurant aussi célèbre que le rocher lui-même. Renommé pour cette omelette. Battu en rythme, sa préparation est un spectacle pour les passants. Batteur de père en fils. N'est-ce pas, monsieur Reto ? Hein ? Un des piliers de la maison. Une omelette bien mousseuse qui attire des curieux du monde entier. Et pour laquelle, il faut quand même débourser 39 euros. Alors à ce prix-là, il vaut mieux qu'elle soit bonne. C'est fabuleux. Ça vaut pas le prix, je pense. Ça fait cher de l'œuf. Cette omelette a pourtant l'air simple à préparer. Des œufs, du beurre, le tout cuit au feu de bois, et un petit plus, tenu secret. Absolument pas. Ben, la recette, elle est à la fois dans ma tête et dans un coffre-fort pour celui qui voudrait me couper la tête. Ah oui ? Voilà. Éric Vanier aime entretenir le mystère. Pourtant, il n'a rien inventé. Cette omelette a été créée en 1888
par un petit bout de femme, Annette Poulard. À l'époque, pour assaisir les pèlerins affamés après un long voyage, cette ancienne bonne leur prépare une omelette bien mousseuse. Sa cuisine et sa réputation font vite le tour du monde et l'auberge devient le symbole gastronomique du Mont-Saint-Michel. Dans les années 80, Éric Vanier a fait fortune en rachetant des célèbres boîtes de nuit parisiennes, comme le Palace ou les Bains-Douches. Et quand l'auberge de la Mère Poulard est à vendre, il met le paquet pour l'obtenir. À l'époque, il y avait trois possibilités, un groupe américain, un groupe japonais et moi. Donc je pensais qu'il fallait quand même que ça reste un peu français, voilà, tout simplement. Donc j'ai beaucoup cassé ma tirelire, qui n'était pas grosse à l'époque, et j'ai essayé d'avoir ce joyau du Mont-Saint-Michel. Et Éric Vanier est un homme d'affaires redoutable. Il va faire de la Mère Poulard une véritable marque et multiplier les produits dérivés. Cookies, galettes bretonnes, confitures, caramel, mais aussi sel de Guérande, sardines en boîte et même thé anglais, pas très local. Je crois que tout est fait pour des personnes qui ne connaissent pas très bien les régions, les différentes contrées françaises. Aujourd'hui, la petite auberge s'est transformée en un groupe agroalimentaire qui emploie plus de 1000 personnes. Éric Vanier possède même sa propre usine à 20 km du Rocher. Et l'homme d'affaires en veut toujours plus. Dans deux jours, il a prévu d'exporter sa marque à l'autre bout du monde. Un business qui lui laisse peu de temps pour gérer au quotidien ses fonctions de maire. Alors il délègue à Yann Galton, son adjoint. Bah oui. Bon, écoute. Une bonne façon d'éviter les natifs du Rocher. Il est plus accepté parce que pour les Mantois, il est plus Mantois que moi, voilà. Donc voilà, c'est tout. Et puis voilà, c'est chacun sa croix. Vous faites confiance pour gérer tout ça quand vous n'êtes pas là? Absolument. Absolument, il connaît le bon comme sa poche. Je veux que tu dises non. Ah là, les questions. Oh, c'est gros, ce trou, là. Une fonction loin d'être de tout repos pour l'adjoint. Car depuis quelques années, la colère gronde au Mont-Saint-Michel. Le lendemain matin, c'est à Pont-Orson, à 9 km du Mont, que nous retrouvons Frédéric Ridel, le natif et grand amoureux du Rocher. Grâce aux recettes de son restaurant, il a pu s'offrir cette maison moderne de 150 mètres carrés. Ici, fini les vieilles pierres, c'est carrelage du sol au plafond. Comme tous les autres commerçants, Fredo n'habite plus sur le Rocher. On a habité pendant des années, il y a aussi quelques inconvénients. Donc déjà, pour emmener les enfants à l'école, il n'y avait pas de ramassage scolaire, donc il n'y avait plus d'école non plus au Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, il n'y a plus de vie de village sur le Mont, seulement des commerces. À l'heure du café, le journal local donne encore du grain à moudre à Fredo le râleur. On y parle des grands changements en cours. De toute façon, en ce moment, ça part tous les jours du Mont-Saint-Michel, alors donc ils disent seulement que les gens sont pas contents, mais ça, on le sait déjà, de toute façon. Des mécontents, car le Mont est au cœur d'un chantier pharaonique. 10 ans de travaux, 230 millions d'euros, un ouvrage titanesque, mais nécessaire. Car au fil du temps, à cause des sédiments, le Mont s'est ensablé. Pour qu'il redevienne une île, en 2006, on a construit un barrage qui rejette les sédiments au large. Aujourd'hui, on construit un nouveau pont pour y accéder. Et pour que le paysage ne ressemble plus à ça, un énorme parking, l'accès au Mont est désormais strictement interdit aux voitures. Et c'est justement ce qui fait râler Fredo. Il se sent tout bonnement étranger en son pays. C'est la nouvelle barrière qu'ils ont fait. Là, maintenant, on rentre sur notre parc, maintenant. Le parc d'attractions. Merci. Là, on est complètement parqué. Là, on ne peut plus rentrer chez nous. On ne peut plus aller chez nous comme on veut. Il faut qu'on passe par une barrière, qu'on monte passe blanche. Et puis là, maintenant, on est limité à 30 km/h sur cette route-là. Ça, c'est pas... Oui, enfin bon... Désormais, au Mont-Saint-Michel, tout le monde doit se garer sur ces parkings, situés à 2,5 km du site. Les visiteurs doivent ensuite prendre une de ces navettes pour arriver au but. Fredo, lui, laisse ça aux touristes.
En tant que commerçant, il a un laissez-passer, valable uniquement pour les livraisons. Mais Fredo en profite pour se garer au pied du mont toute la journée, ce qui est totalement illégal. On s'y met quand même. Ce matin, il y a quoi ? 5-6 voitures de gens du Mont-Saint-Michel qui sont là. Dans la journée, il va peut-être y en avoir une quinzaine. 15 récalcitrants. Et c'est quoi les risques ? Bah, une prune, 17 euros. Bah, je vais arrêter de fumer comme ça paiera les prunes, c'est tout. À cause des travaux, la guerre est ouverte sur le mont entre la municipalité et certains commerçants, des irréductibles. Et comme d'habitude, c'est l'adjoint au maire, Yann Galton, qui va au front. Salut. Ce jour-là, il doit faire voter la construction d'un nouvel accès au mont. Une sortie de secours en cas de grande marée. Problème, il va falloir percer à droite de cet échafaudage dans le rocher. Et ça, c'est un sacrilège pour certains montois. On ne doit pas toucher à leurs cailloux. Alors, à quelques heures du conseil municipal, il se fait alpaguer dans la rue par les anti-travaux. Destruction du rocher, c'est le bon, risque. Je vais dire, si jamais au Moyen-Âge. Le mont peut être déclassé à l'UNESCO, je te signale. Si au Mont-Saint-Michel, au Moyen-Âge, il y a eu la même politique que maintenant, le Mont-Saint-Michel n'aurait été jamais construit à cette époque-là. On ne peut pas détruire le rocher. L'État doit respecter le mont. Ok. Voilà. Bon, ben écoute, tu leur diras. Hein, parce que moi... Alors là, cet après-midi, ça va être costaud. Hein. Il y a intérêt à mettre un gilet pare-balles. Hein. Sans gilet pare-balles, mais avec beaucoup de détermination, l'adjoint au maire va affronter le conseil municipal, composé exclusivement de commerçants du Mont. Comme Géraldine Falguier, une montoise pas commode. Logique, c'est la cousine de Fredo. Ah ben, c'est horrible. C'est horrible, c'est un crime. Il n'y a pas d'autre mot. Derrière elle, la plus tenace opposante aux travaux, Madame Lebrec, l'une des rares habitantes du Mont. Ils s'apprêtent à détruire le rocher. Il est à qui le rocher ? À la commune. À la commune ? Oui. Alors s'il est à la commune, mais la commune, elle est obligée d'accepter. Elle accepte ce qu'elle on va en parler, on va en parler. Le ton est donné. Alors je vais vous présenter la demande d'autorisation de travaux. Très vite, Géraldine Falguier interrompt l'adjoint. Oui, mais moi je pense qu'il faut gagner du temps. Parce que c'est... Bah, je veux bien que tu gagnes du temps. Alors, si on vote tous contre, qu'est-ce qui se passe ? Le préfet va prendre la décision. Eh bien non, parce que ça va retarder les choses et ça ira au Conseil d'État. Seulement voilà, autour de la table, les conseillers anti-travaux sont minoritaires. Alors, qui est contre cette autorisation demandée par la DRAC ? De faire un trou dans le rocher. Alors, un contre. Qui est pour ? J'ai deux voix. Messieurs, la séance est levée. Que l'État reste. À la majorité, les travaux sont votés. Une partie du rocher sera bien détruite pour construire une issue de secours au mont. Nos libertés sont confisquées ici. Oui. C'est une honte. Yann, tu ne peux pas dire que tu aimes le mont, tu n'aimes pas le mont, tu as voté la destruction du rocher. C'est honteux ce que tu fais. Il ne faut pas dire le contraire. C'est extrêmement grave. C'est honteux. C'est honteux. Tu fous le bordel à l'envers. C'est honteux de. Bon, non, il ne faut pas déconner, non. Messieurs, dames, au plaisir. Après une lutte sans merci, la bataille du jour est gagnée pour l'adjoint au maire et l'équipe municipale. Mais pour les habitants, il y a un grand absent. Monsieur le maire. Bien loin du Mont-Saint-Michel, à 10 000 km de là, c'est au Japon que nous retrouvons Éric Vanier. Monsieur le maire est avant tout un homme d'affaires. Nakameguro Station. Il a décidé d'exporter sa marque dans ce pays de 128 millions d'habitants. Il en est persuadé, l'image de la mer Poulard peut séduire ici. C'est un pays test avant d'aller conquérir l'Asie. Ce matin, il va inaugurer son nouveau restaurant, loin des vieilles pierres du Mont, dans cette galerie commerciale flambant neuf. Au milieu des restaurants de sushi, l'enseigne française. Ah, how are you? Comment ça va? Fine. Ça va bien? Oui, super. Bienvenue dans votre restaurant. Ah, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est très bien.
Ça commence bien. Très bien. Très bien. Yeah, okay. Thank you. Hello, how are you? Hello. Mais à l'intérieur, un problème lui saute aux yeux et l'agace prodigieusement. Il faut monter ça, je veux dire, c'est des montagnes de produits, c'est pas quatre produits qui se baladent. On est quand même la marque de biscuits au Japon, étrangère, et on se retrouve là dans nos propres établissements avec un minimum syndical. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Ce restaurant, Éric Vanier l'a pensé dans le moindre détail. Si le personnel est japonais, ici, tout doit rappeler la France. Entre les cuivres de Villieu-les-Poêles ou les photos du Mont-Saint-Michel, on se croirait presque en Normandie. C'est bien fait, c'est simple, c'est conforme au manuel. Oui, oui. Un décor savamment étudié, dont le moindre détail a été consigné. Dans ce pavé de 200 pages, la Bible d'Éric Vanier. Non, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Non. Non. On a tout ce qu'il faut pour faire un restaurant, depuis les cuisines jusqu'à la salle, en passant par le personnel. À partir du moment où vous voulez faire un concept et le faire respecter, il faut aller dans tous les détails. Je veux dire, c'est important. Éric Vanier a prévu d'en faire une chaîne de restaurants, des franchises qu'il espère vendre en quantité. Mais pour y arriver, il va d'abord devoir convaincre les journalistes. Et surtout, cette critique gastronomique très influente. Je suis ravie de vous rencontrer. Ah, désolé, c'est dans l'autre sens. Je suis critique gastronomique et directrice du magazine. Okay. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps dans le monde culinaire au Japon. Si le concept lui plaît, le public pourrait bien suivre. Alors pour la séduire, le businessman a sorti son atout charme. La mère poulard en personne. Ah bah ça y est, t'as endossé l'habit de lumière. Sa nièce Fanny qui l'a déguisée pour l'occasion. Et il n'hésite pas à la faire passer pour la descendante de la célèbre cuisinière. Mais je la trouve très ressemblante avec son aïeul, effectivement, jeune. Jeune. C'est elle que l'on retrouve sur les paquets de biscuits de la marque. Mais Éric Vanier compte surtout sur son autre star. Sa légendaire omelette. La critique manque de tomber en pâmoison. Elle est énorme! J'ai jamais vu une omelette aussi grosse. Ah non, j'ai jamais vu ça. Exceptionnellement, la recette a été adaptée au goût asiatique. L'omelette ici n'est pas cuite au feu de bois et elle est surtout moins baveuse, mais apparemment... La célèbre critique est conquise. C'est bon, c'est très savoureux et c'est goûteux. À mon avis, ça va plaire aux Japonais. Ah oui, j'en suis persuadée. Pour Éric Vanier, c'est une très bonne nouvelle. Je pense vraiment que les Japonais vont adorer. Ah oui, car elle est vraiment, mais vraiment grosse et délicieuse. Vous la trouvez bonne, c'est ça? Non, mais vraiment, je n'en ai jamais vu une aussi belle et surtout une aussi grosse. Ah oui. Avec son feu vert de la presse, Éric Vanier va pouvoir vendre beaucoup d'autres franchises à cet homme. Présidente. Monsieur Makasuri, le PDG du groupe numéro 1 de la restauration japonaise. C'est lui qui a acheté la toute première franchise. Et c'est un peu comme s'il s'offrait un bout du rocher. Le Mont-Saint-Michel, ça fait rêver les Japonais. Et la mer Poulard, ça représente tout ça. Voilà. D'abord, il va rester au Japon pour faire beaucoup de mer Poulard. Et après, il aura un voyage gratuit là-bas. Et les Japonais n'ont pas fini de se régaler d'omelettes. Banzai. Banzai. Éric Vanier a prévu d'ouvrir 600 restaurants identiques en 5 ans dans toute l'Asie. De quoi gonfler un peu plus son chiffre d'affaires estimé à près de 30 millions d'euros. Et pour le Mont, certains sont prêts à toutes les folies. Il y a 6 ans, Silver a tout quitté pour pouvoir réaliser son rêve. T'as porté ça ? Tu l'emportes ? Tu l'emportes ? Allez, emporte-le.
Cet ancien chauffeur routier a démissionné de son travail. Mais surtout, il a fait déménager toute sa famille, près de 300 km depuis Tours. Et s'il a acheté cet ancien presbytère, c'est juste pour pouvoir se dire un jour... Ah, je suis là, c'est... Ah ben, je vois le Mont-Saint-Michel déjà. Oh. Ce passionné rêve de pouvoir admirer le Mont-Saint-Michel depuis son lit. Seulement voilà, pour l'instant, il faut se pencher par la fenêtre. À 6 km de là, entre le lampadaire et l'arbre, le Mont-Saint-Michel, en modèle réduit. Quand on a la chance d'avoir le mont juste à côté, quand on le voit d'une des chambres, il faut en profiter. Quoi. Un peu trop loin pour Silver. Ce serait pas mal. Qui aimerait bien en profiter dès le réveil. Alors il a eu une idée, positionner une série de miroirs pour pouvoir projeter l'image du mont jusqu'au lit conjugal. Mais tu te mets comme moi, d'accord? De manière et de façon à ce que je vois l'angle. Si je trouve une fixation... Un projet très ambitieux et complètement fou pour Anita, sa femme. Bah, je suis sceptique quand même. T'es sceptique? Bah écoute, on va tenter, on verra bien. Mais ça vaut le coup d'essayer. Si, il me paraît loin, quoi. Mais Silver est du genre obstiné. Je suis polio ce matin. Son Mont-Saint-Michel, il le verra du lit, quoi qu'il en coûte. Il va faire des trous dans les murs. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il ferait pas pour avoir son Mont-Saint-Michel en vue? Depuis l'âge de 7 ans, Silver est obsédé par le mont. Il a lu des dizaines de livres sur le sujet. Ça, c'est bien. Moi, ça me plaît beaucoup. Hop, tac, j'ai la tronche dans l'axe du miroir. Alors, nickel. J'ai des bonnes idées quand même. Mais ouais, faut que je gagne de l'angle. Hein. Ça, j'ai pas assez d'angle. Et pour pouvoir vivre son rêve jusqu'au bout, Silver est même allé jusqu'à changer de métier. Amis du jour, bonjour. Cet ancien chauffeur routier est devenu guide de la baie du Mont-Saint-Michel. Tac. Vous êtes toujours d'accord pour aller faire un petit tour dans la baie du Mont-Saint-Michel? Eh ben, ma foi, je vous invite à me suivre. Nous sommes partis. Allez. Pour son groupe de touristes, il a prévu ce jour-là une boucle de 3 heures autour du mont. Alors là, ça va glisser un petit peu. Vous marchez doucement, vous faites des petits pas. Et vous vous tenez à votre camarade d'à côté. Comme ça, s'il y en a qui glisse, on fera d'autres. C'est plus marrant. Oui, ça glisse. Avec Silver, les visites n'ont rien d'une promenade de santé. Saison de plaisanterie. Ça va, tout le monde impeccable? Ça va? Vous savez, c'est sympa au départ quand ça passe entre les orteils. Hein? S'il a gardé sa gouaille de camionneur, il ne regrette pas son changement de vie. On vit dans un tel endroit, tellement magnifique qu'il est très très difficile de s'en lasser. C'est pas possible à mes yeux. Je suis toujours émerveillé, ça c'est sûr. Ouais. C'est tellement beau que c'est de la magie, c'est certain, absolument. Aujourd'hui, Silver fait partie des 40 guides de cette immense baie. Ça va, petit mon Jojo ? Grande comme 5 fois la ville de Paris. Quand on voit le mont là-bas juste derrière, on se dit, on sent vraiment petit, quoi. Mais faire une balade comme ça, non, c'est magnifique. Sous ces allures de plage paisible, cette baie est en réalité très dangereuse. Stop ! Alors, on ne descend pas. Ressors tout de suite, tu ne descends pas. Ces flaques d'eau où les enfants pataugent peuvent se transformer en pièges. Approchez-vous s'il vous plaît. Là c'est foutu, là je suis parti. Les sables mouvants. Là, en moins de 5 secondes, là, le guide se retrouve ensablé jusqu'aux genoux. Ceux-là sont sages. Il y en a certains, vous allez arriver au thorax en moins de 10 secondes. Alors là ça chie les pointes, croyez-moi bien. Là, regardez bien. Là je peux toujours tirer, hein. T'as la binette, je suis dedans. Terminé. Le vrai risque des sables mouvants, c'est de rester bloqué pendant que la marée remonte. C'est alors la noyade assurée. Et impossible de s'extirper de là, les pieds piégés, on devient aussi lourd qu'une voiture. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi pas mettre un baudrier à la personne, appeler l'hélicoptère et puis le faire monter. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est pas bête, ça. L'hélicoptère va monter de 8 mètres, en gros, c'est la longueur de la teste à grêle, on va même pouvoir voir ce qu'il a bouffé la veille, le mec. Mais il va gueuler. Il va pas être content, le gazier, croyez-moi bien. C'est fortement déconseillé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il va falloir inverser le processus, c'est-à-dire essayer de faire redescendre l'eau qu'on va avoir tout autour de soi, d'accord? Reprendre du mouvement.
en tournant, gentiment, sans forcer. Ah oui, c'est magique, hein. C'est, voilà. C'est la magie du Père Lapin. C'était trop bien. Pour vous servir. Le Mont-Saint-Michel, c'est le théâtre des plus grandes marées d'Europe. Deux fois par jour, la mer à 10 km de là encercle le rocher. Cet après-midi, pour le groupe, c'est marée basse. Mais dans moins de deux heures, ce sera le processus inverse. La mer va remonter et submerger toute cette baie. La marée commence, monsieur a raison, attention, là, la marée est déjà en train de remonter. Hein. Aujourd'hui, elle est comment ? Aujourd'hui, elle est pas mal. Elle arrive vite ou pas ? Aujourd'hui, elle va arriver relativement vite. Si elle rentre ici, si on la voit rentrer là, c'est foutu déjà. Ah, mais les palmes. Ah bah on est mal. Il va falloir courir, courir, courir du côté des herbus là-bas. Voilà. Les gens ne se rendent pas compte. Non, les gens ne se rendent pas compte. Elle est belle la plage. Ah, avouez, on a même un jour trouvé des Américains qui avaient planté leur toile de tente le long de la Célune par là. C'est quand même assez unique, quoi. Ils ont été surpris en voyant l'hélico arriver. Allez, on est reparti avant que la marée ne remonte. On ne s'arrête pas, don't stop, please, don't stop. Notre groupe a le temps de rejoindre la terre ferme. Mais pour les touristes partis sans guide, le danger guette. Ce soir, on attend la plus grosse marée du siècle. Grâce aux travaux de désensablement, la mer gagne de plus en plus de terrain. Par endroits, l'eau va monter jusqu'à 3 mètres. Au Mont-Saint-Michel, les gendarmes et les pompiers doivent s'assurer qu'il ne reste aucun touriste égaré dans la zone. Ça va venir très 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 proche et les gens ne s'en aperçoivent pas, ils sont là, ils peuvent penser à autre chose. Comme on a beaucoup de monde en plus, il n'est pas impossible qu'on trouve, vous voyez, à peu près derrière là, des gens qui soient sur un rocher et pensant pas que la mer va arriver jusqu'à eux, quoi. Ok, alors on y va. Chaque année, une vingtaine de personnes se retrouvent prises au piège, encerclées par la marée. Le commandant et ses hommes vont inspecter chaque recoin au pied des remparts du Mont-Saint-Michel. Il voit rien de particulier ? Tiens, justement. Ouais. Pendant qu'en haut de l'abbaye, une autre équipe balaye la zone avec des jumelles. Plusieurs personnes se promènent le long du Mont-Saint-Michel. C'est bien reçu pour Vigilida. En dernier recours, un hélicoptère est toujours prêt à décoller. Ce soir, des curieux sont venus assister au spectacle. Ce qu'ils attendent, c'est cette vague qui arrive avec la marée. Le mascaré, une sorte de mini-tsunami. Selon la légende, elle arriverait à la vitesse d'un galop de cheval. Mais en réalité, sa vitesse n'excéderait pas les 10 km/h. Pour les gendarmes, c'est voilà, le signal qu'il faut évacuer. On retourne au niveau de la cale. Les sacs, la casquette. Les sacs, c'est à qui ? On vous demande de sortir, prenez vos sacs, s'il vous plaît. En quelques secondes, la mer recouvre entièrement toute cette étendue de sable. L'eau va maintenant monter très vite, jusqu'à atteindre par endroits 3 mètres de profondeur. Voilà. Le pompier en fait la démonstration aux touristes. Voilà, en une seconde. On a le danger. On va pas loin, et il y a des trous, et après on est emporté, si on a peur, on s'est emporté. Vraiment impressionnant. Là, il y a deux minutes, on était de l'autre côté, et puis il y a déjà de l'eau, on se trouve. L'eau va continuer à monter pendant une heure. Les touristes vont devoir aller admirer le spectacle d'un peu plus haut. Un spectacle qui vaut le détour. Les travaux de désensablement commencent à faire effet. Ce soir, pour la première fois depuis 134 ans, le Mont-Saint-Michel redevient une île. Un spectacle devant lequel Yann Galton n'a pas le temps de s'attarder. Ah, tu commences à nettoyer au maximum. Avant de finir sa journée, l'adjoint au maire doit gérer un énième problème qui le contrarie. Et on va avoir les mouettes qui vont venir manger après dedans. Hein, ça va être bien. Il va y en avoir partout. Les poubelles voilà, du Mont-Saint-Michel. Avant, pour se fondre dans le décor, elles ressemblaient à ça. Mais aujourd'hui, pour des questions de sécurité, il doit tout changer. Maintenant qu'on est sous Vigipirate, on est obligé de retirer ça et mettre un sac transparent pour que visuellement, on voit ce qu'il y a dedans. C'est franchement dégueulasse, mais c'est ce qu'on m'a imposé. Et l'adjoint au maire n'a pas fini de râler. La fin des travaux de désensablement est prévue pour 2015. Les tensions ne sont pas prêtes de retomber au Mont-Saint-Michel.